Enchaîné par un concert de normal, comme je disais. Et bah merci de nouveau beaucoup d'être venu pour cette deuxième partie, si on n'était pas là au début. Et puis, bah, on va. Bah, voilà, on va. Est-ce qu'on va faire, hein, je vais vous présenter Lou. Éric Jeunier. Sylvain Joasson. Pierre-Yves Louis. Stan Cuesta. Thank you.
pièce à côté. Je mets un peu plus de retour de ma voix, s'il te plaît. C'est Sylvain qui fait le son, c'est Camille qui fait les lumières. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner par une chanson qui s'appelle... C'est l'écrit. Thank you.
S'appelle d'habitude, enfin quand je fais des concerts avec un autre projet, avec d'autres artistes, je parle beaucoup entre les morceaux. Et en fait c'est un autre projet. Alors là non. Bon, on va rester dans un cadre poétique, plein de retenue, comme ce lieu très élégant qui nous appelle à l'élégance et à la concision, et un peu comme son directeur, vous connaissez, très élégant. Des fois j'ai envie de dire des bêtises au micro, puis je pense à la tête d'Olivier Chevançon, je dis non. Essaye de t'inspirer de l'élégance, de l'élégance. Et tout en retenue, comme ça, un truc un peu anglais. Et donc, il y a d'autres directeurs de salle, ils ne font pas cet effet de retenue. Ben, ils invitent plutôt à l'alcoolisme, la dépression. Et là, non. Là, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas si vous le croisez. Là, mais je vous le présenterai après. Vous verrez. Même à lui parler comme ça, on a envie d'être... concis, d'arrêter de parler immédiatement. Non, ça appelle à la... Il élève l'esprit de son interlocuteur. Et ça, c'est quand même assez beau. Alors, donc, comme je vais m'inspirer de cette... pour arrêter de parler. Une chanson qui s'appelle « Ta main ». Et peut-être ceux qui étaient là tout à l'heure, peut-être vous verrez y aller. Sorte de correspondance avec un poème qui s'appelle Ta main. Ok. Merci. Thank you.
Yeah.
Thank you.
On va faire une chose qui s'appelle l'être humain. Parfois je me laisse aller avec toi, je me laisse aller. Je préférerais parler avec un cheval ou même un chien.
arrive, qui arrive à me suivre malgré cette technique bien particulière. 20 ans de musique ensemble, et au bout de 20 ans, il est avec moi plutôt qu'on est ensemble. Il y a Lightning Hopkins, où il disait, c'est un noir. Accessoirement un très grand bluesman. Et il a joué une fois avec Can't Eat, vous voyez ce groupe. Il était accompagné par des gens en tournée, puis un soir c'était Can't Eat. Et alors ils ont fait le concert. Et à la fin, le bassiste il est venu voir Lightning Hopkins. Et il a dit, dis donc, Lightning, c'était super, hein, j'adore ce que tu fais. Tu sais, des fois, tu changes pas au bon endroit dans la mesure. Et Lightning Hopkins, il dit, la mesure, elle change quand Lightning Hopkins, il change. Et moi, c'est pareil. Mais... Thank you.
Merci beaucoup. Une chanson qui s'appelle « Moi, moins souvent » et dont les paroles sont « Moi, moins souvent, je passerai bien ma vie à mi-temps ». Thank you.
vous êtes vraiment un public vraiment super compétent. Mais qu'est-ce que vous êtes calme. J'aurais peut-être emmené le public de Reims faire un stage avec vous. Ou le public de Brest, par exemple. Mais des fois, même un alcoolique dans la salle, ça met de la vie, quoi. Vous voulez peut-être quand même une distribution de le vin bio, vous n'avez pas... C'est bien le... Enfin, je dis mal le truc, c'est... C'est élégant, voilà. C'est un public élégant et... c'est parfait. On va faire une chanson qui s'appelle « Loin, où nous partirons toujours ». Mais sur le disque que j'ai découvert moi-même tout à l'heure, là, ça s'appelle Loin. Thank you.
toujours. C'est bon, on s'approche de la fin. C'est une chose qui s'appelle Encore en vie, et donc pour ceux qui, parce que le livre et le disque, c'est un peu des projets un peu comme des frères. Et mais c'est pas les mêmes quoi, comme des frères, mais ils ont un truc en commun comme des frères. Et mon frère là dans la salle tout à l'heure, je vous présenterai, vous verrez, quand on est l'un à côté de l'autre, bon, on est différents, et en même temps il y a un petit truc. Vous avez déjà rencontré des frères peut-être? Parce que même à Paris, on en trouve des frères. Non, enfin. Ben d'accord. J'ai milité pour l'alcoolisme généralisé. Donc, une chanson qui s'appelle Encore en vie. Et puis, on va dire au revoir tout de suite. Merci beaucoup, donc, bien sûr. Olivier Chevançon, merci beaucoup pour son invitation. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, Camille pour les Lumières, François qui a fait la régie plateau avec nous. Et c'est vraiment une. Je dis rarement ça parce que je dis rarement du bien des gens, mais c'est vraiment une super équipe. Et donc voilà, qu'ils en soient remerciés. Antoine, le directeur technique, même le directeur. Même le directeur est un mec sympa. Et puis, bah, dire merci à tous mes amis qui m'ont fait la gentillesse de m'accompagner, sans détail. Et Stan Costa, Pierre-Yves Louis, Sylvain Gérasson, avec Jamie et Lou. Et puis, oui, bon. Le sommeil. Pendant.
l'impression que vous êtes revenu à la vie. Et c'est beau de voir quelqu'un reprendre goût à la vie comme ça. C'est marrant de rien voir dans la salle, mais de reconnaître les rires. J'ai reconnu le rire d'Eric, par exemple, le rire d'Emmanuel, c'est rigolo. C'est pour ça parce que il y a des artistes, on s'en fout, puis il y en a d'autres qui aiment entendre des rires. Par exemple, il y a personne qui a fait youhou. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé de mode, ça se fait plus. Je me souviens quand c'est arrivé en France, le youhou cowboy. Avant, on faisait pas youhou au concert. Genre, ils applaudissaient, ils applaudissaient, quoi. Ils disaient, ouais, à poil. Et d'un coup, il y a eu, des cow-boys qui sont arrivés à Paris. Mais youhou! C'était au Café de la Danse, quoi. Je pense que, historiquement, c'est au Café de la Danse la première fois qu'il y a eu un youhou en France. Peut-être faire des recherches, mais je suis presque sûr. Récemment, on a revu une vidéo de Mendelssohn au Café de France. En 2001, c'était il y a 15 ans. Il y avait des gens qui faisaient youhou. Comme il y avait Bonnie Prince Billy, peut-être c'était aussi un cow-boy qui s'était garé. On va faire une chanson qui s'appelle Les choses, qui est la dernière de l'album. Et puis après, après c'est presque terminé. Et après, on va faire une reprise de Jason Molina, qui est un mec qui joue dans un groupe qui s'appelait Songs Ohio. Et après Manuela et Trikanko, et puis après Jason Molina, puis après il est mort. Et puis voilà. Au début on a commencé par Mark Linkous de Sparkle Horse, qui est mort aussi. Alors comme on fait un peu une sorte de spécialité, on s'est dit tiens on va faire Prince. Et puis en fait comme tout le monde l'a fait, on s'est dit non, on va humilier la concurrence. On le fait D'Angelo, là, le pauvre, il va nous entendre, il va raccrocher. On s'est dit non. Mais c'est quand même assez triste, pas de mourir, parce que ça c'est un peu habituel, mais mourir dans un ascenseur, c'est un peu glauque. La dernière chose qu'il a vue, c'est Otis appelé en cas d'urgence. C'est avec un numéro mal écrit, le technicien Otis, qui est 24h24, qui a essayé d'appeler son pacemaker. Oh là là. Bon, bah, donc où que tu sois, c'est pas pour toi, parce que c'est pas une chanson à toi. C'est pas une chanson de Laurie non plus. On n'a pas tellement envie de voir des jams au paradis. T'imaginer les jams au paradis, ça ne donne pas envie, quoi. Non? Ouais. Aimons-nous vivants, hein? Petit mot,
Merci encore et à bientôt. Eric est donc un perfectionniste puisqu'il s'accorde pour le dernier morceau.
que tu t'en souviens. Simplement, c'était un rêve. Thank you.
Merci beaucoup. Merci spécialement aux trois petits nouveaux, Lou, Eric et Stan, qui n'avaient jamais fait ça avec nous en tout cas. Et à tout de suite dans là. Merci beaucoup. Merci.